Et jolie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au magasin Noce de Chambly pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Comme je vous l'ai précisé vendredi, c'est ouvert aujourd'hui hein, jusqu'à 18h. Je vous propose qu'on découvre ensemble les nouveautés s'il y en a. Je pense pas qu'ils aient été livrés. On va voir ça ensemble. Je vous emmène. Bon, je vais commencer par un truc. Vous n'êtes pas prêts. C'est des décos murales pour les chambres d'enfants à 2,20€ en bois MDF. Donc sur le thème des animaux, hein, girafe, toucan, lion, pingouin. Celles-ci, elles sont légèrement plus chères, elles sont à 3€. Et ici, on a aussi des cadres photos avec des petites pinces à linge, ça coûte 3€ aussi. Donc si vous êtes maman en devenir, grand-parent, bon, bah, voilà, ça peut donner des idées, même pour faire un petit cadeau avec une photo personnalisée. Alors, à côté, ça n'a rien à voir, ce sont des toiles cirées. Elles sont à 3,50€, 1m30 par 1m60. Ouais, c'est des couleurs unies. Je sais que j'en avais acheté, je crois que c'était la même collection. La mienne a été, elle était imprimée. Hein. Ben franchement, c'était pas mal. Je l'ai enlevée après parce que j'ai préféré mettre une toile transparente pour regarder le design de ma table. Mais voilà, là c'est des coupes 1m30 par 1m60 à 3,50€. Voilà, il y a plein de couleurs en coloris unis cette fois-ci. C'est juste ici en fait. Sur un rack vertical. Bon, la team, il n'y a pas de livraison aujourd'hui. Par contre, grosse livraison demain, mardi et mercredi. Voilà, pour info, je vous laisse l'info, mais je serai là de toute façon. Alors ici, on avait déjà regardé, il y avait différents articles de bazar. Là, je crois que c'est le lot à 5€. Alors, il n'y a pas les manches. Donc c'est une casserole et deux petites poêles. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est pas les trucs pour, c'est pas des pièges à guêpes. Par contre, j'ai pas le prix. Et là, c'est des vrais offres de déstockage qu'il y a quelques petites quantités. Hein, et pas, il y a pas beaucoup de pièces. Bon allez, je continue par là-bas. Donc demain, grosse livraison sur Chambly. Mercredi aussi, on va se régaler. Je vous avais montré ces paillassons pour l'entrée. Il y a deux tailles. Il y a des petits. C'est ceux qu'on trouve toute l'année aussi chez Action. Ça, c'est 2,98€, le petit. Et le grand, comme ça. Mince. Je crois qu'il est à 5. Attendez. 4,99€. Ouais, je vous l'ai mis par terre. Il est de bonne qualité. Hein. Il est bien doux. Et le poil, il est assez épais. Donc 5€ pour cette taille-là. Et 3€ pour le tout petit. Il y en a même des plus grands à 10€. Mais ceux-là, je vous ai déjà montré, je crois. Pareil, il y a plein de coloris. Vous voyez, le bleu et noir, comme ça. Côté jardin, piscine, s'il y a des jolis qui ont une piscine, déjà, vous avez de la chance, sachez-le. Il y a des balais automatiques ici, ils sont à 200€. C'est la marque Jetvac. C'est la base, hein, quand on a une piscine, d'avoir un balai automatique, je pense. Il y a un tuyau d'alimentation qui fait 12,50 m, avec 5 modules de 2,45 m. Donc, vous pouvez le réduire si vous voulez. Et voilà, c'est compatible pour toutes les formes de piscine. Hein. Et à côté, c'est le retour de ce barbecue que je vous avais déjà montré. Il est de retour à 80€. C'est un grand barbecue charbon. Mince, c'est celui-là. Voilà le visuel. Il fait 1m14 de largeur, 1m24 de hauteur. Il y a les petites roulettes, les petites tablettes. Voilà, ceux-là, ils sont dispo pas loin des caisses. À côté, en quantité, on a aussi les portes-serviettes à poser en bois. Ils font 3 kg. Non, ils font pas 3 kg, je raconte des conneries, c'est charge max 3 kg. C'est 12,99€. Voilà, 80 cm de hauteur, c'est 42 par 29. C'est du bois véritable, il y en a quelques-uns. Et les porte-manteaux, là, comme ça, mince, je me rappelle plus du prix. Si, ils sont à 30€. C'est vestiaires, comme ça, vous voyez, avec des crochets. C'est vendu dans un carton, comme ça. Et il ressemble étrangement à celui qui était chez Action à un moment. Donc voilà. Ça fait 1m68 de hauteur, c'est celui qui est exposé juste là. Il y a pas mal de bulbes encore en stock. Hein. Ça, c'est des bulbes amaryllis à 3€, comme ceci. Et ils ont les bulbes fleurs comme ça à 2€. Là, il y a plein de sortes aussi différentes. Allez, je suis à la boutique. Regardez, il y a des promos sur les lunettes de soleil, moins 50%. Elles sont à 13€ la paire, donc ça fait 7,50€. En triple net, ça c'est quoi? C'est le grand. Pour les bricoleurs, c'est un variateur. Un variateur, c'est comme ça qu'on dit. C'est 40€ moins 50%. Vous avez moins 50 aussi sur les petites Energizer. Les sachets de cristal.
Alors, je sais pas si vous les voyez, c'est ceux qui sont dans les bols là. C'est moins 50 aussi. Donc ça, c'est du côté boutique. Il y a encore énormément de soins, hein, visage et tout. Je vous les ai déjà présentés. Que ça soit en Gatineau, en Meige. Les prix sont plus que raisonnables. Il y a plein de soins à moins de 10 euros. Et pour les vernis à ongles au pays, vous les avez balayés. Hein. Faut dire que le prix était vachement intéressant. C'était 5 euros le vernis. Il y en avait plein. Il y en a presque plus. En dessous, il y a des pochettes de crème de soins anti-âge à 12 euros de la marque Result Time. Et ça, c'est des concentrés d'eau de parfum à 12 euros. Ça, faut kiffer. Moi, je suis pas trop fan des parfums en stick. Voilà ce qui reste côté soins ici. Là, il y a des jolies fantaisies, aspect argent. Alors, les bagues, elles sont à 4 euros. Vous avez des bracelets à 5 euros, des boucles d'oreilles à 4 euros. On dirait de l'argent. Et un peu côté or, c'est des jolis colliers là. Ça fait un peu ethnique. Il est à 5 euros. Les boucles, elles sont à 4. C'est pas mal. Ouh là là, je fais juste un aparté parce que je suis devant les glaces. J'en ai acheté l'autre fois. J'ai acheté les Oreo Century. Elles sont super bonnes. Donc, il y en a 4. C'est 2,75. Ah mince, il n'y a pas les autres que j'ai achetées. J'avais acheté des Häagen-Dazs. Ben, elles ont déjà été balayées. Sincèrement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Leurs glaces, elles sont bonnes. Et en fait, pour raconter la petite histoire, c'est qu'on était chez Leclerc un jour avant. Et je dis à mon mari, tiens, j'aimerais bien de la glace et tout. Et en vrai, je me suis dit, mais je ne vais pas les acheter chez Leclerc. Je vais les acheter chez Noz. C'est presque 50% moins cher. Les rayons mode, ils sont encore pleins. Ça, c'est toutes les robes que je vous ai présentées la semaine dernière. Hein. Juste pour info, il y en a encore plein en stock. Elles sont à 23 euros. C'est des robes longues. Il y a plein de couleurs différentes. Les petits foulards, ils sont à 5 euros au choix. Il y a plein de coloris différents. Par ici, il reste des porte-monnaies aussi. Gros porte-monnaie à 7 euros. Là, c'est pour la team qui range plein de trucs. Et à ce modèle, il est à 7,99. Mince, excusez-moi. 7,99, il est pas mal en rouge. Il y a celui-ci à 6,99 en velours. C'est un double poche. Hein. J'arrive côté messieurs. Il y a des boxers en dîme. Alors, c'est 11,50 les trois. Trois boxers. C'est l'édition Nicolas Karabatic. C'est équipe de hand. Hein. Et là, il y a des lots de deux. À 8,99 les deux. Pour le coup, je ne saurais pas vous dire si c'est un bon prix. Je ne me rappelle plus trop des prix. Ici, il y a des pantalons rouges pour messieurs. Ils sont à 14 euros. C'est comme un jean. La veste que vous voyez là, elle est à 25. Ça, c'est le pantalon que le monsieur y porte. Hein. Le pull, je ne sais pas où il est. Et là, on a des petites baskets à 22 euros. Elles sont en cuir. Et son pull, il coûte 12 euros. Elle est pas mal, la matière du pull. Et ici, il y a des, je sais pas qu'on appelle ça, comme des kawaii, hein, qu'on met sur les vêtements, qu'on enfile comme un sweatshirt. C'est 15,99. C'est assez chaud. Hein. C'est bien épais. Peut-être d'autres couleurs. Bon, ça sert à rien à voir. Ça, c'est une veste. On dirait même que c'est pour femmes. Ah non, là, c'est autre chose. Ce modèle, il est à 25. C'est Goodyear. Par ici, il y a des chapeaux. Alors, la team chapeau, là, en été. Ils sont à 2,95. Ils sont sympas. Ça, ça doit être pour hommes. Hein. J'ai pas le prix de celui-là. Mais je pense que c'est le même prix. Ils doivent tous être au même prix. Allez, je vais faire un petit tour côté alimentation. La citronnade, c'est 89 centimes la bouteille. De 1,5 litre. Il y a plein de stocks. Ils ont toute une palette ici. Si vous avez une soda stream ici, le prix a changé. Normalement, c'était 4 euros, ça passe à 2,63. C'est les sirops, hein, vous savez. Donc, il y a du 7-Up, il y a du Pepsi Max. Alors, ça, c'est des préparations pour faire des gâteaux. On a brownie, on a flan pâtissier. C'est 1,80 le flan et c'est 2 euros le brownie. Ici, il y a de la mayo, hein, 29 le pot. Là, il faut consommer. Hein. C'est 10... Enfin... La date, c'est 30 avril 2022. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est un gros pot. Je vais voir, là, il y a du café, je crois. Ouais, c'est 1,80 le paquet. Mais alors, c'est 250 grammes et c'est du café grain. Donc là, au kilo, ça fait 7,16. Ça va, ça reste correct pour le prix du kilo. Et là, on a du Nescafé. Ah non, c'est les préparations instantanées. À 5 euros.
et 500 grammes. Ici, on a des noix de macadamia, 150 grammes à 2,50. Et ça, c'est pour les pâtissières, c'est du pralin. C'est 1,69 le sachet de 100 grammes. Ça, c'est de la poudre d'amande à 90 centimes. Allez, pour les petits encas, vous avez ici des barres de céréales. C'est vendu par 3,50€. Noix de coco amande sur un lit généreux de chocolat au lait. Et ça, pour le petit-déj, c'est le piège. Eh, vous mettez ça chez moi, le beurre, je peux manger une plaquette entière. C'est 99 centimes le paquet. C'est la version céréale complète. Donc voilà pourquoi je n'achète jamais ce genre de produit, parce que c'est tombé. C'est horrible, ça, avec du beurre et de la confiture, c'est horrible. Ah, il y a des panettones pour les gens qui aiment ça. Alors, je cherche le prix. Il y a deux versions. Hein. Elles sont à 4,20€. Il y a la version au raisin sec et la version nature. Et il y en a beaucoup en stock. Ça, c'est vrai que c'est pas mal avec un bon café. C'est des grosses panettones de 1 kg, hein, pour info. Ah, et regardez, ici, vous avez des petites boîtes. Alors, il y en a combien? 3, 6, 7, 7 fois 5, il y a 35 boîtes à 6,99€. C'est un assortiment, donc il y a des Frosties, il y a des Fruit and Fibre, il y a des Kellogg's et tout. En plus, on en a acheté, nous, la semaine dernière. Je crois que c'est 2,60€ les 6. Donc là, vous voyez, ça vaut quand même le coup, les 35 boîtes à 6,99€. Voilà les jolis, ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous rappelle que demain mardi, exceptionnellement, il y a un gros arrivage. Et mercredi aussi. Donc voilà, je serai là. Et si vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas à passer aussi. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous surtout. Excellent week-end de Pâques. Bye.